Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, un haul, donc en partenariat avec la boutique Panda Haul. Donc c'est un nouveau partenariat et c'est une boutique en ligne qui a énormément, énormément de choix. Que ce soit pour les bijoux, que ce soit pour les moules résine, que ce soit pour la couture, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de loisirs créatifs. Je vous montre vite fait. Donc, nous avons la page d'accueil où il y a, comme vous pouvez voir, beaucoup de choix. Oups, pardon, beaucoup d'outils, que ce soit en bijoux, en résine, voilà. En moule résine aussi. Ils font les pierres naturelles, ils font beaucoup, beaucoup de choix. Après, il y a aussi pour quand des vendeurs, il y a énormément de choix. C'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Vous savez, j'aime beaucoup les boutiques comme ça qui font plein de loisirs. Moi qui fais pas mal de petits loisirs créatifs, j'aime avoir du choix sur une boutique et pouvoir regrouper. Mes achats pour les bijoux, avec les achats pour la résine. Voilà, beaucoup de choix. Donc, on va regarder ce que j'ai choisi. Il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai été cool. Voilà. Donc, il y a, je crois, trois articles. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre des pierres. Donc, vous voyez, là, c'est le récapitulatif. J'ai trois articles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Donc, bien entendu, j'ai craqué sur ceci. Alors, celles qui me connaissent, ça ne les étonnera pas. Je voulais essayer que vous voyez un peu. Hop, non, je ne vais pas y arriver. Je voulais vous faire un zoom, mais je ne vais pas y arriver. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est dans des petites boîtes pour beaucoup d'articles. Du coup, c'est mieux pour ranger. Voilà. Donc, j'ai vraiment craqué, et ça va avec le reste, sur des breloques, arbres de vie. Non. Ça m'embête de ne pas pouvoir vous faire un zoom. Bon. Alors, je vais pas tout les sortir. Donc, c'est un assortiment d'arbres de vie. Hop, j'y arrive. Non, je suis vraiment pas douée. Allez. Donc, nous avons plusieurs formes d'arbres de vie en étoile. Là. En rectangle, en rond. Nous avons plusieurs tailles aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Nous avons un cœur aussi. Donc voilà, là, il y a énormément de. Il y en a beaucoup, hein, je pense. J'avais pas fait attention qu'il y en avait autant. Donc voilà, ça, c'est pour aller avec ce qui va suivre. Ça c'est pourquoi on va regarder ça. Donc là j'ai pris carrément un kit comme ça, il y a tout dedans. Donc nous avons du fil élastique, d'accord, et après ça étonnera personne, j'ai craqué là-dessus puisque vous savez que j'aime énormément tout ce qui est pierre naturelle. Et mais j'ai pas pu résister. Donc, vous voyez, c'est dans un petit coffret. Et donc, en fait, il s'agit de plein de pierres. Donc, à la base, celui-là, c'est fait pour faire les bracelets 7 chakras. Je ne sais pas si je vais faire les bracelets aux couleurs des 7 chakras ou si je les ferai pierre par pierre. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, ce sera au pif, comme d'habitude. Donc, nous avons des pierres de lave. Voilà. Et alors, après, nous avons plein de pierres comme ceci, de couleurs. Alors, je ne sais plus les noms en tête, mais bon, c'est les sept chakras. Les ailes de tigre, ça, je le sais. Voilà.
nous avons des améthystes. Nous avons celles-là qui sont dans les bleus. Et des turquoises. Voilà. Et celles-là, je ne sais pas si c'est des turquoises ou pas. Voilà. Et en plus, il y a des... Comment ça s'appelle? Pour mettre entre les pierres. J'ai perdu le nom. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris les arbres de vie. Parce que je les vois trop bien avec ces perles-là. Voilà. Donc, c'est pour faire... Alors, je compte faire des un bracelet, des boucles d'oreilles et un pendentif. Donc, bien entendu, on fera les tutos ensemble. Bon, ce sera très basique, très simple. Mais... Voilà. Au moins... Donc ça, et pour finir, pour pouvoir faire mes boucles et mes pendentifs et tout, j'ai pris des perles à écraser. Donc ça, j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Et en plus, et vous voyez, c'est encore dans une petite boîte. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, un petit sachet. Alors normalement, ouais, voilà, il y a plusieurs tailles. Donc nous avons tout petit, un peu plus grand, encore plus petit. Vous voyez, on les voit même pas. Là, et nous avons un peu plus grand. Non, pour celles qui connaissent pas, les perles à écraser, c'est des petites perles qu'on met, quand on fait des bijoux, qu'on écrase et en fait, ça maintient les perles. Par exemple, si je veux mettre la perle sur un câble, ben, je la fais tenir avec les perles à écraser. Ouais, mais de toute façon, on fera les tutos ensemble. Donc, voilà quoi. Pour info, ils ont mis en place aussi un code promo pour vous. Donc, je vous le mets en barre d'infos, bien entendu, avec le lien de la boutique et le lien des articles que j'ai choisis. Et puis, voilà, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ces futurs projets vous plairont. Et on se retrouve très vite pour faire les tutos. Bye bye.